Salut les amis, aujourd'hui nous allons voir une nouvelle leçon. Donc notre leçon aujourd'hui c'est lecture, qira'a, lire un texte documentaire, qira'at nas wa ta'iqi. Donc avant de lire le texte, qabla naqra'a nas, j'observe et je découvre. Donc on a la question, quel est le titre de ce texte? Ma huwa 'anwan hadha an-nas? Qui est l'auteur, Malhoualkati. À ton avis, de quoi ce texte va-t-elle parler? Donc le voilà Nas. Donc je vois un enfant, Mada je vois Teflan, ou bien il est en train de lire. Ou bien il a l'air de suivre avec ce doigt, son doigt. Pour les réponses, le titre c'est lire du bout des doigts. L'auteur, le Katib, est Margaret Davidson. Donc le Katib. L'hypothèse, peut-être le texte, il va parler de la lecture d'un petit garçon. Donc, l'auteur, le Katib, la référence, Margaret Davidson. Donc, le texte, on trouve l'auteur, Najidul Katib. وأيضا منين جبنا الكتاب اسم الكتاب ناخذ النص. On va lire le texte. Lire du bout des doigts. Louis est un jeune garçon aveugle. Louis avait des tâches à accomplir. Son père lui a appris comment polir le cuir avec du cirage et un chiffon doux. Louis ne voyait pas le cuir devenir brillant, mais il le sentait s'adoucir jusqu'à ce que ses doigts lui disent que le travail était terminé. Dans une école spéciale pour aveugles, Louis, se basant sur son expérience, arriva à améliorer la méthode permettant aux non-voyants de lire. Tout d'abord, Louis au crayon, fit 6 points sur une feuille de papier. Il appela cet ensemble une cellule. Voici le dessin. Donc c'est ça le dessin de la cellule. Il chiffra chaque point de la cellule. Puis il prit son stylet et enfonça le point. Puis il prit son stylet et enfonça le point. Numéro 1, voici un A. Il enfonça les points 1 et 2, voici un B. Louis fait une lettre après l'autre. Et quand il eut fini, son alphabet apparut comme ceci, comme le tableau. Il passa ses doigts sur son alphabet. C'était tellement simple. Louis Braille, qui avait alors 15 ans, aurait voulu rire et chanter. Voulu rire et chanter et crier et pleurer. Toutes les lettres de l'alphabet étaient transcrites par 6 points, disposés de différentes façons. C'était tout. Il savait que les gens qui voyaient n'y prêteraient pas attention. Mais ce n'était pas le but de la méthode. Il devrait être senti. Lire du bout des doigts. Louis est un jeune garçon aveugle. Louis, Teflon.
أعمى. لويس أفي دي تاش أكومبليغ. لويس لديه مهمة لإنهائها. Son père lui a appris comment polir le cuir avec du cirage et un chiffon doux. والده قام بتعليمه كيف يلمع الجلد avec le cirage et un chiffon, يعني قطعة من الثوب ناعمة, doux ناعمة. لويس ne voyait pas le cuir devenir bouillon. لويس لا يرى بعينه أن الجلد أصبح لامعا. Mais elle le sentit. فقط يحس به. S'adoucir, أنه أصبح ناعما. Jusqu'à que ses doigts lui disaient que le travail était terminé. حتى تقول له أصابعه أن العمل انتهى. Dans une école spéciale pour aveugles. في مدرسة خاصة les aveugles, les non-voyants. الأشخاص الذين لا يرون. لويس se basant sur son expérience. بالاعتماد على تجربته التي يعني التجربة اللي كانت عنده في الجلد arriva à améliorer la méthode permettant non-voyant de lire. Donc تمكن من تطوير طريقة تسمح للناس الذين لا يرون بالقراءة. Tout d'abord, في البداية لويس au crayon, لويس أخذ قلم في ses points. قام بوضع ستة نقاط sur une feuille de papier. على ورقة. Une feuille. على ورقة. Elle appela cet ensemble une cellule. قام هذيك الورقة اسمها une cellule خلية. Voici le dessin. هذا هو الرسم. Il chiffra chaque point de la cellule. قام بترقيم كل نقطة في هذيك لا سيلول يعني من واحد حتى لستة كما هو في الرسم. Puis il prit son stylet. أخذ un stylet يعني واحد المرقم et enfonça le point le numéro 1 voici A. Il a enfoncé يعني ضغط بهذاك لو ستيلي على واحد وحصل على الحرف la lettre A. Il enfonça le point 1 et 2 voici la lettre B. Enfonce à نقطة واحد مع اثنين نحصل على la lettre B, الحرف B. Louis fait une lettre après l'autre. Louis قام بصناعة حرف بعد حرف بعد آخر. Et quand il a eu fini, عندما انتهى, son alphabet, الأبجدية ديالو, apparaît comme ceci. بعدنا في الرسم. Le A, le B, etc. Il passa ses doigts sur son alphabet. مرر أصابعه حول الأبجديته. C'est tellement simple. إنه أمر بسيط. لويس براي qui avait alors 15 ans, لويس براي في عمره 15 سنة aurait voulu rire. أراد أن يضحك. Chanter, يغني. Écrier, يصرخ. يعني يغوت. Et pleurer, يبكي. Toutes les lettres de l'alphabet était transcrite. جميع حروف الأبجدية أصبحت مكتوبة par ces points. من خلال ستة نقاط disposa de chiffres de différentes façons. موضوعة بطرق مختلفة. C'était tout. هذا فقط. Il savait que les gens qui ne voyaient ne prêteraient pas attention. كان يعرف أن الناس الذين لا يرون Donc, il savait que les gens qui voyaient n'y prêteraient pas attention. كان يعرف أن الناس الذين يرون qui voyaient ne prêtaient pas attention. On غاديش يردوا ليه البال. Mais ce n'était pas le but de la méthode. ولكن هذا ليس هو الهدف من هذه الطريقة. Il devait être senti. هذه الطريقة خاصها تكون محسوسة لأن الناس اللي كيشوفوا ما غاديش يعيروا اهتمام دونك لأن كيشوفوا ولكن غيهتموا بها هما الناس اللي ما كيشوفوش لأن الطريقة تحتاج إلى اللمس الإحساس سونتي بيحسسوها باللمس دونك جو لي اي جو كومبرون أقرأ وأفهم دو سو تكست إتيل إكستري هذا الكتاب أخذ من ماذا 5 De qui parle-t-il?
يتحدث عن ماذا؟ سيس، كونيتو ست بيرسون افون؟ هل كنت تعرف هذه الشخصية قبل؟ سات لو تكست بارل دو une histoire vraie, qu'est-ce que une expérience jriba, une invention اختراع. 8. Que représentent les dessins? ماذا تمثل تلك الرسوم؟ 9. Qui évoque pour toi le mot braille? ماذا يمثل لك الاسم braille? 10. Observe ce document. Peut-on séparer le texte des illustrations? لاحظ هذاك le document, يعني هذاك النص. وهل يمكن أن نفرق النص عن الإلستراسيون عن تلك الرسومات؟ واش يمكن نقسموها؟ دونك كيستيون كاس دو لويس دونك لو تكست يبارل دو لويس براي لونفون دو لا نوي. النص يتحدث عن لويس براي طفل الليل أو طفل هنا لا نوي يعني الظلام اللي ما كيشوفش. 5 دان لونفون افوكل طفل أعمى. المهم بوغ اللي كيعرفوا يقدروا يقولنا وي جو كوني لويس براي، نعم أعرف لويس براي لأنه شخص معروف. واللي ما تيعرفش غادي يقولنا نو جو نو لو كوني با، انا لا اعرفه. سات سو تكست بارل دون استوار فري، هذا النص يتحدث عن قصه حقيقيه. دون اكسبيريونس موني بار لونفون لويس، عن تجربه لهذا الطفل لويس. اي بارل اوسي دون انفونسيون، يتحدث ايضا عن اختراع سات سيل دو لالفابي براي، ابجديات براي، وهذه الطريقه معروفه للناس اللي ما كيشوفوش. 8. Les dessins désignent des cellules, avec le rosomat de cellules chalaya, qui, selon la disposition, représentent les lettres de l'alphabet. 9. Braille est une méthode de lecture pour les personnes non-voyantes. Braille est une méthode de lecture pour les personnes non-voyantes. 10. On ne peut pas séparer le texte des illustrations. لا يمكننا أن نفرق النص عن تلك الرسومات. Je lis et j'écris. Réponds aux questions suivantes. De quelle langue le texte est-il traduit? هذا النص من أي لغة تم ترجمته؟ 12. Pourquoi l'auteur a-t-elle appelé son livre لويس براي لونفون دو لا نوي؟ لماذا الكاتبة أسمت هذا النص أو الكتاب اللي مخذ منه النص سميتو لويس براي لونفون دو لا نوي طفل الليل؟ 13. كيلي لا تاش أكومبليسي لويس، ما هي المهمة التي أتممها لويس؟ 14. كاتيل انفونتي أ 15 أون، ماذا اخترع في عمر 15 سنة؟ كومون أبيلتون سون ألفابي، ماذا أسمينا l'alphabet d'hier. Donc, là, le texte est traduit de l'anglais. Had nas mutarjam l'ingliziya. 12. L'auteur a comparé la cécité à l'obscurité de la nuit. Idahna, l'ordre katiba, dart muqarana bin l'obscurité. L'obscurité, hi wa d-dalam ou l-kahil de la nuit. Din d-dalam li kikoun b-lil, yani li kikoun d-dalam ma kanchoufouch. Louis ne voit pas la lumière. Louis ne voit pas la lumière. Il ne voit que l'obscurité. La yara, la yara et la dalam. D'ailleurs, la relation bin, donc je vais mettre le katiba, l'enfant de la nuit. Il flotte dalam, il ne voit pas. 13. Louis travaillait le cuir de son père, avec son père. Et Louis qui travaille, il a inventé une méthode de lecture à 15 ans. Il a créé une tariqa pour lire à 15 ans. La méthode porte son nom Braille. هذه الطريقة أخذت اسمه واسمها Braille. طريقة Braille. إذا عندما نسمع طريقة Braille فهي الطريقة التي يقرأ بها الأشخاص الذين لا يستطيعون النظر أو الرؤية. Donc, monsieur, la partie 2. Donc, la partie 2, je m'évalue. تقويم. Trouve dans le texte trois adjectifs qualificatifs. Ah, j'ai fait un nom, c'est-à-dire les adjectifs qualificatifs. 17. Relève trois verbes dans le texte. Un verbe de premier groupe, un verbe de deuxième groupe et un verbe de troisième groupe. Ah, j'ai fait un nom, c'est-à-dire le premier groupe, le deuxième groupe, le troisième groupe. 18. Quel est le moment qui
qui t'a le plus marqué dans le texte. Ma hiya al-lahdha allati atharat fika fi hadha an-nas. 19. À ton avis, à quoi servent les différentes positions des points dans la cellule? Fi nadharika, ma huwa dawr mukhtalaf al-wad'iyat lin-nuqat fi kull khaliya. 20. Comment trouves-tu cette invention? Kayfa wajadta. Donc, pour les adjectifs qualificatifs, il y en a beaucoup. Atomitel, donc adjectif par exemple, jeune, c'est un adjectif. Aveugle, adjectif. Donc, il y en a beaucoup les adjectifs. Doux. Donc, je vous texte, alors qu'on fait les adjectifs qualificatifs. Pour l'action 2, relève dans le texte des verbes de un verbe de premier groupe, un verbe de deuxième groupe et un verbe de troisième groupe. Donc, il y en a beaucoup de verbes. Allez, les verbes accomplir. C'est un verbe de deuxième groupe. Appris, apprendre, c'est un verbe de troisième groupe. Etc. Voyez, c'est le verbe voir, c'est un verbe de premier groupe. Donc le texte fait observer les verbes de premier, les verbes des verbes. Pour la question 18, quel est le moment qui t'a plu, marqué dans le texte? Donc, donc 19, à quoi servent les différentes positions des points? Donc les différentes deux points, ça va quoi? باش نميزو لي باش نحصلو على لي لتر ديال الالفابي. كومون تروف تو سيت انفونسيون؟ كيف وجدت هذا الاختراع؟ دونك سيت انفونسيون الي تخي تخي امبورطونت لانها مهمة مكنس هذوك الاشخاص نون فويون باش يتمكنوا من ايضا من القراءة وحتى كتستعمل حتى في الحاسوب. دونك نحاولوا نقراو واحد لو تكست. Louis Braille est un enfant non-voyant, donc à les informations de Nafnas. Il polissait le cuir jusqu'à devenir luisant. Na kana yulammi'u al-jild hatta yusbihu luisant al-na'im. Il a inventé une méthode de lecture, c'est-à-dire tariqa dial al-qira'a, qui porte son nom. Akhadat ismahu, c'est la méthode Braille, ina tariqat Braille. Il se présente sous forme de cellules de ses points. تاخدو على شكل خلايا كل خلية في ست نقاط. chaque disposition de ces points représente une lettre d'alphabet. كل تموقع لكل نقطة يعني في التلوين ديال كل نقطة والتموقع ديالها كنحصلوا على حرف ديال الألفابي. دونك هنا سي لو ريزومي، هذا ملخص ديال النص. on va le relire. Louis Braille est un enfant non voyant. il polissait le cuir jusqu'à devenir luisant. Il a inventé une méthode de lecture qui porte son nom. C'est la méthode Braille et se présente sous forme de cellules de ses points. Chaque disposition de ces points représente une lettre de l'alphabet. Notre leçon touche à sa fin. N'oubliez pas de vous abonner. لا تنسوا الاشتراك في القناة للحصول على دروس جديدة. Au revoir.